aller au-delà des aliments, c'est aussi partager un bon moment, de la convivialité et de redonner le plaisir et l'envie de manger. Et chez les seniors, c'est une composante qui est essentielle. On touche les gens de 7 à 77 ans sur des ateliers culinaires. On essaie de les sensibiliser, si tant est que ce soit déjà fait, sur l'équilibre alimentaire, sur le fait que bien cuisiner, bien manger, ça coûte pas forcément plus cher, qu'il faut juste s'y intéresser un petit peu. Il me semble que l'alimentation des seniors est un vecteur extrêmement important de prévention de la perte d'autonomie. Sylvain Fourchette permet de rencontrer différentes générations. Moi, j'ai eu plaisir à rencontrer des ados adorables et puis d'apprendre aussi à découper, à préparer et à profiter de choses que parfois on aurait jetées. J'ai rencontré des gens extraordinaires investis pour une cause qui nous tient tous à cœur parce qu'un jour, on sera tous âgés de toute façon. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc si on peut apporter une petite pierre à l'édifice pour leur donner ce plaisir-là, c'est génial. Suite à l'adoption du schéma senior par le Conseil de Paris, en juin, on voulait déployer nos énergies au service des seniors à Paris. Pour bien vieillir, il faut bien manger. Longue vie à Silver Fourchette. On s'occupe de tout. Mangez mieux, bougez mieux et ça ira bien.